Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 11e épisode de notre Nuzlocke sur Pokémon Gaïa. Acte de Pokémon Rouge Feu sur GBA, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc vous voyez qu'on se retrouve à Lille, on s'est arrêté la dernière fois dans la petite bourgade où on avait chassé le gang Gizenawak et on avait affronté les dresseurs de l'arène histoire de jauger un peu le niveau. On s'est dit que comme on était un peu juste, on allait faire un peu d'entraînement, c'est pour ça que vous avez vu le montage. Et l'équipe a été mise au niveau souhaité, à l'exception d'un Pokémon, vous allez très vite comprendre pourquoi. Le premier est donc Lumia, notre Luxio de niveau 29, qui est à 66 points du niveau 30, mais vous le savez comme moi, Luxio évolue en Luxray au niveau 30. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être mieux de garder l'évolution pour l'épisode, comme ça vous n'aurez pas une évolution excellente pour en profiter et avoir une chorégraphie de merde. En tout cas, son set n'a pas changé, puisqu'il connaît toujours Charge, Morsure, Chargeur et Étincelle. Nous avons ensuite Marshall, notre Rambou de niveau 30, il y a le symbole du Wi-Fi sur le dos, comme ça la blague est faite, avec Onde de Choc, Brouhaha, Morsure et Écrasement. Iwata, notre Primplouf niveau 30, avec Griffacier, Coupe, Buldo et Pic-Pic. Baba, notre Elédel niveau 30, avec Retour Cruel, Aéropiqué et Vive Attaque. Et enfin Max, notre Ouvrifier, ou Ouvrivière, je sais jamais comment on prend au niveau 30, avec Balayage, Gépierre, Éclatroc et Gonflette, qu'il a appris pendant l'entraînement. Alors, avant d'aller à l'arène, on va simplement aller démonter un Pokémon sauvage avec Luxio pour avoir un Luxray dans cette arène. Ce qui ne serait pas du luxe, puis qui dépauperait surtout pas mal sa maman. Donc notre victime sera ce Rapion. Bon allez, on va accélérer pour qu'on puisse voir l'évolution. Normalement niveau 30 c'est bon, et... Ouais, c'est métal les évolutions. Et donc, nous avons... Lumia est désormais un Luxray. Tu veux pas apprendre un truc? On va regarder un peu ce que donne sa stat d'attaque maintenant qu'elle a évolué. 90, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai juste envie de la tester en combat. Et je pense qu'on va la tester en combat dans l'arène. Donc direction l'arène locale. Je rappelle est une arène de type fée d'après ce qu'on a appris au dernier épisode. Et je vais toujours avoir le chemin qui est noté quelque part par là. En bonne santé. Donc, pour aller au champion d'arène, c'est haut, gauche, bas et bas. Et nous y sommes. Dresseur, tu m'atteins enfin. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois dans un pays lointain. Il était une fois dans un pays lointain, un dresseur vaillant. Il était admiré par ses amis et sa famille, et était exceptionnellement doué pour entraîner et se battre avec des Pokémon. Cependant un jour, les ténèbres sont tombées sur le pays, et le vaillant dresseur, se croyant tout puissant, a tenté de l'affronter. Il a échoué. Dis-moi, penses-tu pouvoir affronter l'inévitable? Un dresseur sage sait quand il n'est pas de taille. Tu ne gagneras pas. Ça, c'est ce qu'on va voir. Belle. 3 Pokémon et tu envoies Azumarill. 27. On s'en peut-être un peu trop, mais en tout cas, voilà. Premier combat de Lumia sous sa nouvelle forme, Luxray, c'est parti pour une étincelle. On la charge même pas parce que j'ai confiance en mon Pokémon, j'ai confiance. Il y a un coup critique. Mais GG, GG ma belle, GG. Ensuite, Farfadet, bon on va le faire affronter, on va demander à Baba de l'affronter. Il vaut peut-être 28, comme ça. 28. Eh ben on va faire un aéropiqué. Clonage, je te déteste. Je me demande si retour ferait pas plus de dégâts. Non, et on pique et fait plus. Bye bye. Allez, le dernier ce sera quoi qu'on rigole? Melodelf. Alors faire rire parce que Melodelf peut apprendre beaucoup beaucoup de choses.
Je vais y aller avec qui? Max peut pas y aller parce que c'est un type fait. Je vais rester avec Baba et je vais voir ce que fait en route. Niveau 29. Bizarre l'animation de mon frère. Not bad! Force cosmique, mais c'est pas ça qui va te sauver, ma grande. Hein. Ah, super potion. On va se remettre à fond. S'il y a un truc que je sais, c'est que Melodelph a beaucoup de points de vie. Et le critique! Sans problème. Easy. On l'a démonté. Je crois qu'on n'a pas pris un point de dégâts. C'est moche. Félicitations! Tu m'as battu. Nous obtenons le badge mystique. Troisième badge de ce hack sur 5. Alors ça augmente la vitesse de mes Pokémon. C'est pas mal ça. Un dresseur aussi puissant que toi devrait utiliser la vraie puissance du type fée. Prends cela. C'était 0-3. Éclat magique. Ah non. Voue enjôleuse. La CT03 contient voue enjôleuse. Les Pokémon utilisant cette attaque laissent échapper un cri enjôleur et fort qui n'aura jamais sa cible. Donc, du coup, ça va être le truc tout moisi à 40 de puissance que tu utilises quand t'es niveau 15, quoi. Ouais. Juste pour voir qui peut l'apprendre. Iwate et Marshall peuvent l'apprendre. Limite, je la prendrais bien Marshall à la place d'écrasement. Parce qu'avoir la couverture du type fée, c'est plutôt intéressant. Ça me permet de mieux affronter par exemple les types combat et tout ça. Vous me direz, j'ai déjà ce qu'il faut. Mais c'est genre, si genre il y a un dragon, j'ai quelque chose. Pour le reste, niveau CT. Tiens, Nitrochar, bon personne, ça me semblait. Allez. On va repartir à l'entrée, puis on va voir ce qu'on peut faire. Bon, c'est un événement qui se déclenche. Wow! C'est Regirock ce cri, non? Holy fuck! Badge, boum, Regirock dans ta gueule! Papou! C'était quoi cette explosion? Tout va bien? Ça s'appelle la grotte de Sabulo? Oh mon dieu! Vite, nous devons nous y rendre immédiatement. Responsabilité Pokémon. Ça c'est bien. Vite, on doit se dépêcher. Holy shit! Je vois ce qu'il y a par là. Bah, tu m'étonnes, c'est pas le moment. Est-ce que je peux au moins. Ah non, je peux pas, ça se déclenche. Dépêche-toi! Aller acheter des objets. Ah non, ça me déplace tout seul. My god! Nous devons nous montrer prudents. Regirock s'est réveillé. Ça veut dire que quelqu'un ou quelque chose a brisé le sceau de la grotte de Sabulo. C'est porteur de mauvais augure. On dirait que Regirock est toujours à moitié endormi. Nous devons passer derrière lui et voir et découvrir ce qui se passe. Je vais essayer de le maîtriser. Toi, tu vas dans la grotte et tu découvres ce qui se passe. Je te fais confiance pour résister à ça. Tu as montré un véritable courage dans notre combat. Maintenant, c'est le moment de l'appliquer. Regirock, je ne te veux aucun mal. Vas-y, Babou. Maintenant qu'il est détruit, distrait, entre dans la grotte. D'accord. On a fait un peu trop de bruit. Adieu. Quoi? Où sont-ils partis? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ce n'est pas bon. S'ils ont capturé Regirock, le monde est peut-être en danger. Ah non, 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 et non, et non. Le monde est en danger, tu fais pas chier, Internet.
J'ai remarqué que tu avais une carte du professeur... Oui, sa voix a changé, on s'en fout. Professeur Redwood, lorsque nous nous battions, je suppose que tu travailles pour lui. Et c'est le cas, il doit t'en être informé immédiatement. Malheureusement, je retourne à mon arène. Je te remercie de ton aide et je te souhaite bonne chance. Si mes craintes sont fondées, tu en auras besoin. Adieu. Et la vie reprend son cours comme ça. Non mais les mecs, barricadez-vous. Il y a un Regirock qui est Pokémon Logic, j'ai envie de dire. Du coup, je vais pouvoir l'acheter des items. Genre, je gueule dessus, mais je fais exactement... Oh. Non, c'est pas encore le moment des Super Bowl. Moi, je dirais qu'on peut s'acheter simplement une Super Bowl, et surtout des potions. Remarquez, est-ce qu'il y a des... Ah, voilà, des Total Soins, c'est ça que je veux, je vais m'en prendre 10. Des repousses, je vais en prendre 6. Ouais, ça suffit. Alors maintenant, est-ce que je peux rentrer dans la grotte? J'aimerais voir si je peux obtenir une rencontre dedans. Oula. Alors il n'y a rien, est-ce qu'on peut avoir une rencontre? Ouais, on va accélérer un peu tout ce Bataclan. Bon, je suppose que ça c'était la chambre où on trouverait J-Rock, ce qui me paraît très légit. Allez, nouvelle rencontre, quelque chose. J'ai pas l'impression. Bon, ben du coup, on a une nouvelle mission. Retourner à Arcane pour aller informer le professeur. Ah bah, il vient à nous. Babou. Ah, c'était justement toi que je venais voir. Jupiter m'a dit que tu venais ici, alors je pensais que j'allais te faire la surprise. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air... Merde, distraught. Je sais jamais comment traduire ce mot-là, distraught. Bougez pas, je s'occupe de tout. Voilà, il est là, Mantico. Hop, distraught. D'accord. Tu as l'air inquiet. Regirock a été capturé par des ninjas mystérieux. Tu crois que ces gens sont reliés aux autres que toi et Zubida vous avez affrontés? C'est inquiétant. Si ces gens chercheraient J-Rock, ils seraient peut-être après Redigigas. Mais pourquoi? Et comment? Ça me rend perplexe et ça me frustre. Je crois savoir ce que nous devons faire pour empêcher ces gens de causer du mal. Mais ça va me demander beaucoup de boulot. Tu devras probablement entraîner tes Pokémon. Je vois que tu as déjà des badges d'arène, c'est très bien. Tu devrais essayer d'obtenir les 8 badges. Comme ça tu pourrais te défendre si jamais tu te retrouves dans une situation épineuse. Pour le moment, vas-y doucement, mais lorsque tu es prêt, tu auras besoin de ça. Oh, j'aime. Avancez enfin de tes Pokémon et tu pourras traverser les mers. Maintenant, je sais que j'avais dit ici pour te rendre vite, mais je pense que je vais profiter du paysage un petit moment. Je pourrais prendre des vacances. A plus tard, Babou. Surf? Oui. Allez, Iwata, on va avoir besoin de toi. On va retirer... J'ai envie de garder deux moves de type O, je vais retirer Pic-Pic. Ce qui veut dire que maintenant, tous ces chemins-là s'offrent à nous. Ce qui veut dire que nous avons une, deux... Sabulocross, voir si on y était. Sabulocross, je crois qu'on a déjà... je crois qu'on a déjà une rencontre pour Sabulocross. Je crois que c'est là qu'on a eu Quanoton. On est à... Ouais, Sabulocross, on a déjà une rencontre ici. Ça veut dire qu'on va pouvoir explorer. Quelque chose que je voulais prendre des items de l'autre côté. Normalement, en arrivant par là, on devrait... Voilà, on revient aux ruines. Alors, ça veut dire qu'on peut se choper finalement une rencontre. Rencontre des ruines de Reliquia. Ah bah, un reliquant. Forcément, on disait qu'ils étaient un peu plus nombreux. Donc, bon, ce sera donc un reliquant. Alors maintenant c'est le moment d'utiliser une Super Bowl. Faire gaffe parce qu'en Valicante est chaud à capturer. Allez Valicante, c'est pas le moment de faire chier. Alors on va surtout faire une... On va surtout utiliser une super potion. Ouh, j'aurais dû acheter plus de potions. Attends, j'ai pas beaucoup d'argent. Allez Valicante. Coopère mon grand. Merci beaucoup. Alors, bon, j'ai pas fait attention, alors comment on va t'appeler? Parce que t'es censé être un vieux truc, un vieux Pokémon, un ancien Pokémon.
Reliquant, comment on va t'appeler? Comment tu veux appeler ce truc comme ça? À la limite, j'ai une idée de nom à la con. Comme on dit qu'apparemment les motifs sur ces nageurs représentent des cartes, je vais t'appeler Mappy. On va regarder un peu ses stats, de toute façon, ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour l'instant. Rigide. C'est pas mal. Lance-boue, pistolet à eau, tombe roche et pouvoir anti. Très bien. Et l'objet là? Une pierre soleil. Il y a des reliquantes. Il y a vraiment... On peut même plonger! Eh ben dis donc. Enfin, je pense que c'est pas encore tout pas encore implémenté. Mes repousses, ils sont... Je pense que j'ai commencé à les utiliser. Ils sont... Là. Ah non, c'est vraiment la limite. Dans cette petite zone qui est un peu... Exclue. Oh, une pierre lune. Un tesson bleu. Moi, j'en regrette pas d'être venu. Et là, du coup, normalement, en arrivant là, on vient là où on était au début. Yo. Donc là, on est aux ruines où tout ça a commencé avec la dame en rouge. Je suis en train de me dire, je me demande s'il n'y a pas... Oh, attendez, il y en a coupe, on peut obtenir cet objet. D'abord une beurre ici, et là on trouve un rappel. Tout ça pour un objet inutile, ben merci beaucoup. Non, c'est bon. Non, de retour en ville et... Pas quelque chose... Attends, ici il y a peut-être quelque chose ici. Il n'y a pas quelqu'un qui voulait voir une équipe complète, c'est pas toi? Non. Alors ça doit être au-dessus, je crois. Si j'ai bonne mémoire du premier épisode. On reçoit donc la canne. Ok, donc toi t'es vrai, toi c'est au normal ou rien, mais donc... je crois que tout est bon, sinon je crois qu'il ne manquait rien par ici. Parce que là on va retourner à la montagne si on va par ici. Je crois qu'il y avait un truc à faire dans le coin, faut quand même que je regarde. On va vérifier. C'est toi peut-être? Ouais. Une herbe blanche, not bad. Moi je suis pas mécontent d'être revenu. Bon, alors maintenant on a de l'exploration maritime à faire. Surtout voir s'il y a des dresseurs dans les environs. Ah, des reliquants. C'est vrai que j'ai oublié de remettre des repousses. J'en ai 9, quand même que je fasse gaffe. Alors, donc là on avait un item. Saboulocross. Donc là on est de retour dans la zone où on était. De toute façon on a déjà une rencontre, c'est là qu'on a obtenu un coin-coin. Comment on fait pour atteindre l'item là? Attends, je suis en train de me demander. On peut pas surfer vers le nord, enfin par ici. Genre, oh, je crois que je sais. Je crois que j'ai une idée. Est-ce que je... Non, je peux pas. Même là, c'est coincé. Est-ce que je peux pas surfer par ici? Non. Attendez, y a un truc tout seul là-bas. Non. Ok. Ok, bon bah tant pis. On va avancer, parce que sinon on est encore là demain. Oh, j'avais pas vu le buisson coupe. Un morceau d'étoile. Et donc du coup on passe par ici, ce qui est plus logique. Tentacool. C'est toujours la même zone, donc de toute façon on capture pas. Et une nouvelle pierre soleil. Ok, donc ça c'est fait. On va réutiliser un super repos et on va continuer. On va essayer de trouver une nouvelle zone, ce serait bien. Si on va vers l'ouest, le nageur, viens là. Baston 25. Comme par hasard, celui que t'envoies, il est au sol. Ouais, là, on va peut-être switcher. On va mettre la Marshall. Allez, Marshall, c'était un warrior dans les épisodes précédents. Il faut qu'il continue. Brouhaha. C'est pas mal.
not bad. Bonjour. La Zubida. Oh, il a un barpeau. Bye bye. Et un écaillon. Très bien. On l'a battu. J'ai envie de mettre Max en tête. On n'a pas vu Max encore aujourd'hui. On n'a pas vu Iwata non plus. Ce serait bien qu'il fasse au moins... Quoi, il y a une grotte dans le coin? Où ça? Et il y a un Drascor dedans. Mais je veux le Drascor, moi. C'est pas du juste. C'est pas du juste, je proteste. Ok, donc on peut pas aller plus loin. Du moins pas dans cette direction. Il va falloir qu'on parte vers le sud. Par ici. Là je suis sûr qu'il y a un objet caché. Ok, bon, on va affronter un peu les gens. Du genre... Ouais, on va remettre ça. Yo! Remoraid. Allez, on va prendre... Et faire éclatroc. Bim! Coquille perle. Allez! Not bad. Et enfin Quillfish. On va faire une petite gonflette avant de spammer. J'ai pierre. Super. Alors quoi d'autre par ici? C'est pas très peuplé mine de rien. Un tesson jaune. Un encens mer. On va dire c'est logique, on est en mer. Bonjour monsieur. Je peux avoir une baston s'il vous plaît. Alors. Esteban, qui a un Notaria. Ah, ils savent pas que j'oublie que Notaria n'est pas encore de type glace. Alors tu vas pas commencer à faire chier avec repos, hein. Tiens, prends un balayage, tu seras gentil, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? On va explorer de toute façon. Ah, bon, on est de retour à... Est-ce que ça veut dire qu'on peut se choper une rencontre pour Aero City? Si j'ai envie de dire, on est dans l'eau. Et notre... Oh, chier! Ah, vas-y, je te capture pas, on va te faire foutre. Voilà, dégage. Sombre merde. Alors, hein, je préfère ne rien avoir plutôt que d'avoir un Goélise. Ce Goélise évolue en la pire merde connue de l'humanité. Enfin, en termes de Pokémon, en tout cas. Alors, du coup, combien de retours ici? J'ai en profité pour mettre Max au PC. Pas Max. Mappy, pardon. Ah, ça se ressemble, hein, ça se ressemble. Pokémon du groupe... Mappy. En train de demander si j'aurais pas entraîné un sixième Pokémon. Remarque, non, 5 Pokémon niveau 30 à la... après la troisième arène, j'ai envie de dire c'est bien. Vous savez quoi, j'ai envie d'aller voir un truc pendant que je suis en ville. Je veux voir si on peut toujours pas accéder par si on peut toujours pas accéder par là. Ok, très bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je regarde un petit peu la map, on en est à combien? 23 minutes. Concrètement, ce qu'on a fait, on a vraiment bouclé la boucle, on a vraiment fait toute cette partie-là, toute la partie nord, on l'a faite. C'est du coup ce qu'il va falloir qu'on fasse, le Sharp Ghost Strait et la mer du sud pour arriver ici. Donc notre prochaine étape en termes de ville, ce serait Valoon. Après, on aurait la rivière et la grotte des Némésis. Ça pourrait être pas mal, ça. Limite, ce que je vous propose de faire, on va faire quelque chose de simple. On va aller chercher notre rencontre sur la prochaine zone, donc la... Sharp Ghost Zubida. Et on va... Une fois qu'on l'aura, je pense qu'on s'arrête... Oh, attendez, bonjour madame. Aston. Et bim. Yes. Et hop. C'est pas très efficace, hein. Voilà, donc on est dans la nouvelle zone, donc on va épuiser le repousse. Non. Et notre rencontre sera... un écaillon. Espérant que ça le mette pas KO. Bon, à l'aise. Encore un petit coup.
Très bien. Allez, t'as droit à une Pokéball. Il y avait des oiseaux qui s'éclataient là sur, sur mon doigt. Bref. Genre. Ah mais attends, tu te prends pour qui là, Ekaillon? Tu restes dans cette motherfucking Pokéball. Merci beaucoup. Alors, Ekaillon. Ekaillon, Ekaillon, c'est le Pokémon poisson ailé apparemment. Et donc la ligne qui, enfin, qu'il a sur son côté, donc ça peut emmagasiner la lumière du soleil. Et il brille de mille feux la nuit. Alors, comment on va t'appeler? J'ai envie de dire, vu qu'on fait un surnom en rapport avec la lumière, ça pourrait être pas mal. On a déjà Lumia, malheureusement, on va pas faire Lumio, je vous rassure, hein. Mais, voyons voir. Quel petit nom on pourrait te donner? On pourrait t'appeler... J'ai pas dit. Allez, on voit, un truc avec la lumière. On pourrait t'appeler... non, ça irait pas trop... On peut t'appeler... Je sais pas. Un K, je crois pas, non. Un A. On peut t'appeler... Allez, ça va, ça c'est le premier connard qui passe, on va t'appeler Albert. Le cinquième mousquetaire. Point bonus si vous connaissez, si vous avez regardé le dessin animé. Alors, Albert. Nature neutre. Avec ça... Avec donc pistolet à eau, attraction, danse pluie et tornade. Bien, bah du coup ça va conclure ce que je voulais faire pour cet épisode. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce 11e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la face de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien qui fait toujours plaisir à voir, je le rappelle. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ou parler à la chaîne de vous si je peux vous en dire tout ça, vous le savez. Et donc en attendant la suite... je suis pas sûr qu'il y ait... Attendez, je suis pas sûr qu'il y ait un épisode vendredi, pour vous dire. Parce que vendredi, je suis absent une partie de la soirée, et j'arriverai que vers 21h, je sais pas si je pourrais publier deux vidéos. Donc, soit vendredi, soit lundi, je peux pas vous le dire, mais en tout cas, hop, à la prochaine épisode, on va essayer de faire le reste du chemin qui nous amènera vers Valuntang, qu'on explorera la prochaine fois. Et en attendant tout ça, bah écoutez, moi je vous remercie une fois de votre soutien, ne changez pas, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Bye!